Salut Henri. Ah, tu le poursuis là, je te poursuis toujours. Comment ça va? Bah écoute, ça va, si ce n'est que... Que? Tu sais, des fois, hein, où, les managers doivent annoncer des mauvaises nouvelles. Ouais, peut-être t'as mis la même veste que sur la dernière vidéo. Ouais, bah c'est normal, hein. Mm-hmm. Ah, il y a quelqu'un là. Bonjour, oui. Madame. Bonjour. Bonjour. Alors, vas-y, là, comment annoncer une mauvaise nouvelle au bureau, donc, c'est on ça? Doit annoncer des mauvaises nouvelles. Ouais, au bureau. Et bah, il y a une méthode, enfin, il y a une méthode. En tout cas, il y a quelques conseils, parce que souvent, c'est traumatisant. Alors justement, en fait, l'ensemble de ce qu'on va raconter, c'est fait pour minimiser l'impact psychologique et faire en sorte que... Bon, que ça soit compris et que tout le monde se mette dans le bon sens, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais même ceux qui sont atteints par cette mauvaise nouvelle. Alors, le premier point, c'est qu'il ne faut pas tarder. Parce que si on tarde à annoncer les mauvaises nouvelles, en fait, qu'est-ce qui se passe? La rumeur prend le relais de la nouvelle. Crée de l'émotion. Crée de l'émotion. En plus, les rumeurs, c'est jamais exact, puisque par définition, ce sont des rumeurs. Sinon, ce sont des informations. C'est pas voilà. Et donc, à un moment donné, ça gonfle. Et le jour où vous prendrez la parole, ça sera encore plus compliqué. Parce que vous devrez non seulement annoncer la mauvaise nouvelle, mais aussi tordre le cou à tous les petits ballons. À l'immense bulle de... Voilà, exactement. Okay. D'accord. Ouais. Alors, donc ça, c'était le point numéro 1. Le point numéro 2... Bon, alors, l'idée, c'est de faire l'annonce dans la matinée. D'accord. C'est pourquoi? Non. Parce que si tu le fais dans l'après-midi ou le soir, bon, les gens n'ont pas le temps de réfléchir, d'une part. Ils vont ruminer la nuit. Ils vont rentrer chez nuit, eux et ils vont... Voilà. Alors que la matinée, c'est vraiment le bon moment parce que ça laisse le temps de digérer et de réfléchir et éventuellement de poser des questions supplémentaires dans la journée. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le point numéro 2, c'était le matin. On y va tout de suite et on le fait le matin. Voilà, exactement. Okay. Alors le point 3, c'est regarde que... pas tes notes. Non, je regarde pas mes notes, mais bon, mais aide-moi en tout cas. Voilà. D'accord, moi le but c'est que je t'aide. Hein. Donc le point 3, c'est... Bon, rappelons le contexte. Hein, donc, il ne faut pas s'y attarder, mais dire au moins qu'est-ce qui s'est passé. Donne-moi tes notes, parce que si tu veux que je t'aide, moi je prends tes notes. Il faut dire ce qui s'est passé, bon. Et surtout assumer ses responsabilités. C'est-à-dire que quand vous êtes manager, probablement que vous avez eu un impact sur les décisions, ou en tout cas un impact sur ce qui se passe. Donc, faut espérer, c'est pas toujours, mais c'est faut espérer. Même si vous avez fait des erreurs, dites-le. Bon. Et évidemment... D'accord. Donc c'est souvent... Tu vas pas présenter les grandes lignes de la stratégie, ça, plutôt, non? Faut dire, j'assume. Ouais, mais tu présentes les grandes lignes de la stratégie, tu expliques, tu donnes du sens, de la visibilité, oui, alors, de la visibilité. On explique la stratégie, parce que qui dit mauvaise nouvelle, dit ensuite réaction. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il faut expliquer, il faut être très clair, très transparent. Voilà ce que maintenant nous allons faire. Et voilà la piste que nous allons... Et il y a une chance pour s'en sortir. Il y a une chance pour s'en sortir, et surtout, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui vont faire partie... De cette piste, de ce plan, de cette stratégie. Et donc, il faut compter sur eux. Donc, il faut quand même redynamiser et laisser l'espoir. Alors, il ne faut pas non plus dorer la pilule. Parce que si D'accord, mais il faut se tourner vers l'action, une action construite qui va nous permettre collectivement de nous en sortir, c'est ça? Collectivement, alors, bien entendu, s'il y a des... des licenciements, des machins, etc. Ah oui, bah, il y a des gens qui ne sont pas dans le coup, mais bon. Ouais. Mais bon, quoi? Ben bon. Bah oui, mais il y a des... Enfin, on va taper dessus comme on entend ces travaux. Le cinquième point, c'est être clair et transparent. Le monsieur te dit... Bah, être clair et transparent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Prendre des gants, etc. Bon. S'il y a des points en suspens, parce qu'on ne sait pas encore, hein, si on est un peu en gestion de crise, mais des points confidentiels, on fait quoi? Alors, les points en suspens, il faut dire, ben voilà, il y a des points qui n'ont pas encore été résolus, parce que c'est pas mûr, parce que il faut les retravailler. Et les points confidentiels, ben, il faut dire, ben, il y a deux, trois points. Pour l'instant, on ne peut pas les dire, mais on les dira le moment venu, mais bon, effectivement, dans les affaires, des fois, il faut rester confidentiel. Ok. Bon, on parlait de trucs avec de l'émotion. Comment tu traites le point numéro 6? Il y a de l'émotion, il y a de la compassion. Il faut avoir de la compassion, il faut montrer sa compassion, évidemment. Voilà. Mais il ne faut pas non plus rester prisonnier de son émotion, parce que là, l'idée, c'est de faire passer des messages, c'est pas de pleurer tous ensemble. Donc, humain, mais pas trop. On n'est jamais trop humain, mais il faut montrer la piste, tu vois, et faire en sorte que, bon, ben, on se retrousse les manches, le cas échéant, et on y va. Okay. Il y a toujours des solutions à un problème. Point numéro 7, avant de conclure, c'est les questions-réponses, par exemple. Les questions-réponses, et bien évidemment, il faut laisser ouvert les questions-réponses, donc laisser venir les questions, éventuellement faire attention, vous préparer certaines réponses, c'est-à-dire que dans le discours précédent, on a dit, vous allez... Enfin, probablement, il va y avoir telle question, donc j'y réponds par avance. Bon.
Et ensuite, alors ça c'est un petit truc de conférencier, il faut revoir la vidéo qu'on avait faite sur parler en public, mais quand on voit que quelqu'un est très remonté, très agressif, etc., bon, voilà. À un moment donné, on lui donne la parole, il a le droit de s'exprimer, puis ensuite on se tourne vers quelqu'un d'autre pour éviter que, disons, qu'elle toujours les mêmes monopolisent la parole. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un exercice pas si simple, et on va le compléter dans les semaines qui viennent par un autre exercice. C'est comment annoncer une mauvaise nouvelle. À la maison. Non, pas à la maison, parce que ça, c'est encore autre chose. Mais quand on est un collaborateur et qu'on veut, vous voulez passer, bah, allez-y. Mais vous êtes devant. Ah bon. On a juste fini. On a fini. Alors, quand on est un collaborateur et qu'on dit, bon, j'ai pas réussi mon plan, j'ai pas réussi mes objectifs. Oui. Et donc voilà. Et donc, comment on annonce cette mauvaise nouvelle. Voilà. D'accord. À son patron. À la prochaine. Merci. Au revoir, PPC. Au revoir. Merci beaucoup pour votre accueil. Qu'est-ce que vous lisez ?